Seeda. Après un autre moment. Maintenant, Menganda, leader Benjeti Congo. Nous, on ne savait même pas que les leaders ont commencé à s'exprimer. Il y avait tellement de bruit, vous ne pouvez pas écouter quand vous êtes au niveau du Sahara et les autres sont au niveau de la tribune. Là où j'étais assis sur le mur là-bas, j'ai entendu les crépissements des armes. J'ai regardé de gauche à droite. Partout. Ça tirait partout. Après un instant, finalement, garde entouré le stade. J'ai vu que les gardes, ils avaient entouré tout le stade. Corps habillé en fap no mélangé. Tous les corps habillés mélangés. Ce que je n'ai pas vu ce jour-là parmi les corps là, sauf ce qu'on appelle les douaniers. Selon comme il dit qu'on fait corps habillé, mais on a corps habillé moi. Bon. Je ne sais pas beaucoup l'affaire des corps habillés, mais ce que je n'ai pas vu là-bas aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les douaniers. Quand il y a des polices. Ce jour-là, il y avait des polices. Il y a gendarmes. Il y avait les gendarmes. Il y a béret rouge. Il y a béret rouge. Dès que Capfouni est fait le dos, il tourne en mindarie. Dès là où on tirait, j'ai tourné, j'ai regardé vers le stade à l'intérieur. Bon, il y a un instant, j'ai eu l'intuition de descendre vers derrière. Après réflexe, j'ai dit, comme il y a beaucoup de personnes qui descendent dedans, on m'a toujours mis jeté dans Fahim. Bon, j'ai suivi là-bas. Mais tourne. On a été en bonne mine d'arriver au capalé des sports parce que Jody de Cahore Miru n'a rien de tout dit. Je me suis tourné comme ça, j'ai regardé vers le sport, palais de sport. C'est celui qui est sur les murs là-bas, il peut voir là-bas. Avec l'encerclement là, j'ai constaté qu'il y a un groupe de centaines qui venaient. Ils étaient mélangés. Donc j'ai eu l'intuition de descendre dedans maintenant. Là où je descendais, au niveau de la montre pendule à 10 mètres, j'ai vu quelqu'un se lever là-bas. Il est habillé en jaquette. On a jaquette militaire. Ce n'est pas les jaquettes militaires. Ce qu'il portait aussi, c'était pas la chemise. Il a ouvert sa jaquette comme ça. Il a fait sortir le couteau. Il a poignardé quelqu'un là-bas. Quand en poignardant là-bas, j'ai vu ça à l'intérieur de sa chemise là, c'était noir. Mais rien n'est écrit sur la chemise là. Mais c'est un débardeur noir. Après, quand poignardé on donc, il m'a fait on donc ben jetimo. Là où il a poignardé ce dernier, les amis de celui-là l'ont pris. Maintenant, tout le monde est descendu dedans maintenant. Vous pouvez voir plus de 500 personnes alignées pour contre les portails de 1 mètre seulement. Pour faire les petits portions de Sahara là. Pour sortir. Moi aussi, je suis parti de là-bas. Bon, j'ai dit, je ne peux pas attendre jusqu'à ce que tout cela sort pour que je sorte aussi. Je me suis retourné, je suis monté sur les escaliers là où on s'asseyait. Je suis venu entre les gens là-bas. Donc, on s'est poussé là-bas jusqu'à ce que moi je suis sorti au portillon là-bas. Celui que j'ai vu là-bas, qui a été poignardé là,
Bon, ces amis qui l'ont pris, j'étais sûr qu'ils ne pouvaient pas sortir avec lui. La manière dont je l'ai vu déjà, lui devrait mourir. Parce que les intestins étaient sortis. Dieu fait que Dieu m'a aidé, je suis sorti. En sortant directement, ils m'ont assommé un cours derrière ici. Celui qui sort là-bas, on le frappe. Je suis tombé dans un trou. Je suis blessé ici de côté droit. Bon, Dieu fait que je n'ai pas perdu connaissance. Non, nous tous, le groupe, nous sommes sortis en courant. Nous sommes venus entre le mur qui est entre Piscine Marocana et l'autoroute. Là-bas, on est venu pour escalader le mur. Là aussi, on bastonnait les gens. Là aussi, on m'a frappé derrière aussi. Là, celui qui vient pour passer, on le donne des coups. Finalement, donc, on s'entraidait là-bas pour escalader le mur. L'autre vient monter sur les épaules de la personne ici pour pouvoir prendre le mur. Donc on s'entraidait là-bas, personne ne connaissait l'autre. Donc ça c'était pour s'entraider, pour voir si on peut se sauver tous. Celui qui monte en haut là-bas, si l'autre le fait sauver, lui aussi il envoie la main pour le tirer, pour qu'il monte. Là où on est monté là, il y avait un manguier là-bas. Là où on montait comme ça, il y a une maisonnette qui est dedans. Dès que je suis monté, au moment où je prenais le mur, celui qui m'a soulevé là, on l'a donné un coup. Bon, on m'a tapé ici, mais moi j'avais déjà passé de l'autre côté. Je suis tombé sur la maisonnette. De la maisonnette là-bas, je suis tombé encore à terre dans la cour là-bas. Là où je suis tombé, mais Dieu fait que je n'ai pas perdu connaissance, mais j'étais blessé quand même. Les tôles m'ont blessé ici, j'étais blessé dans les pieds aussi. Les tôles de la petite maisonnette là. Tous ceux qui ont monté de ce côté là-bas, nous sommes sortis vers le carrefour Farmaguiné. Il y avait un petit portillon là-bas, c'était ouvert. C'était dans un courrier où il y a un grand hangar. Mais nous sommes sortis là-bas. Dès que nous sommes sortis là-bas, on a trouvé les autorités aussi qui étaient alliées à côté de la gendarmerie. Ils nous ont dit, ne montez pas vers le pont, n'allez pas vers d'ici. Rentrez dans les quartiers. Nous sommes rentrés dans le quartier, mais ceux-là, ils nous ont rien fait. Mais le groupe qui se suivait, on se suivait là-bas, mais tout le monde était blessé. On a suivi dans le quartier là-bas. Au moment où on passait, j'ai entendu, on priait à Dixin Fula. Et ça, c'est la prière de Zohor. Mais il y a assez dans mes photos, parce que comme il y a longtemps, on s'en allait un peu, on se reposait, parce que le fait que j'ai tombé là, ici, là, le reste, ça me faisait mal. Nous sommes partis comme ça, on a suivi les quartiers. Au moment où on passait aussi, on voyait l'hélico aussi
qui tournait à l'air. On avait tellement peur, on a cru que l'hélico là aussi nous surveillait aussi. Bon, on a su que l'hélico là se promenait seulement. Nous sommes partis, on a continué parce qu'on n'a pas suivi la grande route jusqu'à là où on doit arriver. Ce jour-là est arrivé à la maison, c'était à l'approche de la prière de 17h. Je suis arrivé. Ce jour-là, pour la rupture, je n'ai même pas pu manger, je n'ai pris que de l'eau. Arrivé seulement, la famille a commencé à pleurer. Ils m'ont épongé les plaies, ce qu'on peut trouver à la maison, ils ont appliqué ça en attendant. Ce jour-là, je ne pouvais pas partir dans une clinique. On ne pouvait même pas circuler dans les quartiers. Le lendemain matin, je suis parti me traiter dans une clinique de quartier. J'ai traité les plaies jusqu'à ce que ça a commencé à curer. Comme je suis que je ne suis pas fracturé, ça c'est cela ici seulement qui me fait mal, je suis parti au village. Bon, il faisait des décoctions pour moi là-bas avec des foins du fonio qu'on appliquait ici là. Je suis resté jusqu'à ce que la douleur a baissé, presque la douleur était finie maintenant. Je suis revenu. Entre-temps, avant d'aller, ils ont dit aussi que l'enfant à mon grand frère aussi n'est pas revenu. Ils l'ont cherché partout. Finalement, je suis parti dans ça. Quand je suis venu, ils sont revenus, ils ont confirmé qu'il n'a pas été vu. Je suis parti voir la famille parce que ce n'est pas le même lieu et ils sont sur la prince. Le petit s'appelle Mamadou Minka.